What's up tout le monde, c'est Christo. Donc aujourd'hui en fait c'est juste une petite vidéo particulière. En plus demain c'est Noël. Ouais. Non en fait c'est juste une petite vidéo où je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas trop fait de vidéos et tout ces derniers temps. J'ai eu pas mal, beaucoup de problèmes. Je voulais juste vous les dire dans cette vidéo là, comme ça vous êtes au courant. Parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout ce rythme que j'avais avant. Alors c'est pas une question de rythme, c'est juste une question le fait en fait d'être heureux ou pas dans la vie et tout. Et donc c'est vrai que ces derniers temps je suis pas heureux. Et forcément bah les vidéos il y en a pas beaucoup, il y a pas trop de motivation, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées, même avant je faisais des breaking news où je montrais ma tête. Puis ça s'est dégradé où je montre plus ma tête et ça j'ai vraiment les morts, sachez-le. Et à la fois c'est vrai que je peux m'en excuser, mais j'ai fait le bon choix de pas faire trop de vidéos et de pas continuer le rythme, parce que si j'aurais continué à faire autant de vidéos et tout, sachez que les vidéos auront dégradé en fait. C'est à dire que voilà, les vidéos auront été moins bonnes et tout. C'est pas que je dis que mes vidéos elles sont toujours bonnes en ce moment, c'est juste elles auront été bien pires que là ce que vous voyez en ce moment. Je vais pas raconter aussi toute ma vie, c'est à dire dévoiler exactement précisément les choses qui se sont passées, mais je peux vous raconter un peu les choses en faisant un résumé sans vraiment préciser qui est en tort, qui n'est pas en tort. Je vous dis juste ce qui se passe dans ma vie et comme ça vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai du mal. Et d'ailleurs par exemple moi c'est fait la Noël et tout, moi ça va, je vais les passer seul en fait, c'est à dire que je vais pas les fêter en famille, ça va être seul quoi. C'est ma première année où je vais faire ça, mais je pense que je suis pas le seul. Et puis il faut savoir que qu'il y a bien pire que moi, tu vois. Par exemple moi j'ai un logement, j'habite sous un toit, voilà, j'ai quand même pas, faut pas se plaindre avec ce que j'ai. Mais je voulais juste vous dire pourquoi j'ai finalement ce ralentissement sur YouTube. Alors ce ralentissement il est fait premièrement de c'est une histoire d'amour, c'est avec mon premier amour, comme quoi ça fait peut-être 2-3 semaines, ces dernières semaines et tout, elle voulait me récupérer. Je vous explique juste en gros, sans vous critiquer, voilà, ouvertement. Et je me suis rendu compte, donc pendant qu'elle voulait me récupérer, qu'elle dormait avec un autre mec et qu'elle faisait des trucs avec un autre mec. Alors est-ce que le fait que je dis ça en vidéo c'est bien ou pas, je sais pas, mais je veux que vous sachiez, voilà, il s'est passé ça. Donc forcément moi ça m'a complètement ralenti. Il s'est passé plein de trucs avec elle et tout. J'ai fait quand même 1 an et demi, 2 ans avec elle. Après on a fait 6-7 mois, enfin un peu plus, même 9 mois où on n'était pas ensemble et tout, mais on se disait des je t'aime. Puis là ces dernières semaines, donc elle était vraiment à limite à fond sur moi et tout. Et t'apprends ça dans le dos et c'est comme si t'avais un coup de couteau dans le dos. Et ça fait super mal. Donc ça c'est l'un de mes premiers gros problèmes que j'ai. Et c'est vrai que ça te met vraiment le moral à zéro. Et après bah forcément t'as plus très envie de faire des vidéos. Parce que moi les vidéos quand je les fais c'est quand je suis bien. Là si je fais cette vidéo là c'est parce qu'il est nécessaire de la faire. Deuxième chose c'est avec ma famille. J'ai d'énormes problèmes dans ma famille. Mes parents ils sont divorcés. Et ma mère en gros elle fait un burn out. C'est à dire que pour les gens qui ne savent pas ce que c'est en gros quand tu déprimes, t'es négatif. Enfin voilà il y a que ça. Et vu que je vais chez ma mère, elle déprime tous les jours. J'essaie de la réconforter et tout, mais c'est super difficile parce qu'elle revient du passé, des erreurs que j'ai faites, et elle m'attaque, c'est comme si elle me taclait tous les jours. Et c'est vraiment une vie difficile. Ou même moi maintenant je déprime parce que je la vois pleurer souvent. Enfin voilà, c'est la galère. Il y a aussi du côté de mon père où finalement j'apprends que ma belle-mère finalement, alors c'est vrai que c'est compliqué à dire ça sur YouTube parce que c'est quand même la famille, mais bon, ma belle-mère elle a fait des trucs et tout, mon père il l'a su, et maintenant ils sont à deux doigts de se quitter, sachant qu'ils ont une petite fille de 5 ans, et voilà, donc en gros c'est limite le début d'un divorce. Excusez-moi, je vais taper à ma porte. Mon chien qui est allé aboyer et tout, donc je vais pas ouvrir la porte parce que voilà, j'ai pas envie. Donc il y a déjà ce problème là. J'ai juste regardé qui c'est. C'est qui? Bah va te faire enculer alors. Attendez, je reviens sur ce que j'étais, donc à propos de mon père et de ma belle-mère. Savoir aussi donc que ma mère, elle maintenant elle veut partir en Angleterre, c'est-à-dire qu'elle veut retourner dans son pays natal, puisque ma mère est anglaise et moi je suis bilingue. Donc elle veut retourner dans son pays natal, c'est-à-dire que elle veut retourner en Angleterre. Donc sachant que moi, enfin je suis dans une situation où
est-ce que je reste en France ou est-ce que je vais en Angleterre si bien sûr elle accepte, parce que en ce moment elle me rejette beaucoup et tout, donc c'est super chaud. Donc je me retrouve vraiment dans une situation super difficile, sachant que les cours ces derniers mois c'est la catastrophe, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'y aller, c'est la déprime, mes notes elles baissent, un truc de dingue. Il y a tout qui va pas. Après, avec question des potes et tout, j'en ai lâché parce que ça allait pas. Enfin, tu sais, vu que quand tu déprimes et tout, bah, tu as tendance souvent à lâcher des potes, donc c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai aussi d'autres petits problèmes. Par exemple, je sais pas s'il y en a, qui ont dû le voir sur Facebook, je me suis cassé la main pour une raison. Donc c'est vrai que ça m'a mis les nerfs. Je suis allé à l'hôpital, je me suis fait opérer, donc je me suis pété les deux. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas les doigts, c'est juste en fait entre la poignée et les doigts. Je me suis cassé deux os en fait. Voilà, donc c'est une fracture. Donc je me suis complètement cassé ces deux trucs. Donc je me retrouve avec une main, avec tous ces problèmes et tout, sachant que, par exemple, ma mère, là, elle veut que... bon, c'est des petits trucs, je suis d'accord. Par exemple, je me suis acheté un scooter, d'ailleurs, que j'aime bien faire des... j'aurais voulu faire, en fait, des petits stunts, des trucs comme ça, parce que je commence à essayer de faire des levées. Par exemple, je vais devoir le vendre, enfin, il y a plein de trucs comme ça, en fait, toutes mes choses, limite positives, deviennent négatives, et c'est la déprime. Il me reste plus... Honnêtement, il me reste plus que quelques potes, quelques amis, et il me reste mon frère que j'aime beaucoup, et il me reste quoi? Il me reste peut-être une petite partie de ma famille encore, et après il me reste quoi? Il me reste tout simplement YouTube. Voilà, YouTube qui me fait monter le moral et tout, et ça c'est un truc de dingue. Donc à la fois je me dis tout simplement qu'il faut que je continue YouTube et tout, parce que ça me fait du bien honnêtement de parler sur YouTube. Après, je sais pas du tout quand est-ce que je vais reprendre comme avant YouTube. Parce que, voilà, moi, c'est vraiment... c'est comme une drogue. Je l'ai déjà dit, c'est un truc vachement intéressant. Et voilà, voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est vachement difficile en ce moment. En plus, moi, je suis un peu parano ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, ça doit être avec tous mes problèmes. C'est honnêtement, des fois, je me dis, est-ce que cette personne, il est là pour moi ou est-ce qu'il est là pour YouTube? Enfin, des amis à moi, bien sûr. Hein, où c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été là pour finalement me gratter, faire des trucs comme ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est limite, t'exploses et maintenant, tu te poses que des questions. J'ai à peu près tout dit. Au niveau de cette vidéo là. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Je crois que ça se dit comme ça pour ce soir. Puis un bon Noël et tout, hein. Franchement, ne vous inquiétez pas, je vais sortir d'autres vidéos. C'est juste la motivation, elle doit revenir. Peut-être en mettant un petit truc d'encouragement et tout, ça va me faire plaisir. Tu sais, je demande pas le j'aime, je demande juste du texte. Comme ça, je vois ce que vous en pensez. Je fais pas du tout cette vidéo pour que vous ayez pitié de moi. Oui, sachez-le, hein, je suis loin de ça. Ça fait quand même 2-3 mois que moi je génère tout ça. J'aurais pu le faire il y a 2-3 mois cette vidéo. Je l'ai faite parce que ça accumule et ça va pas au bout d'un moment. Donc voilà. Excusez-moi, je bois ma petite boisson parce que j'ai besoin de m'hydrater, déshydrater ou je sais pas quoi. Donc voilà, merci encore à tous les gens. Vous faites comme vous voulez. Pour les gens qui veulent plus me suivre et tout, vous me suivez plus. Pour les gens qui veulent continuer à me suivre et tout, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir des nouvelles choses. Même là, en ce moment, je projette un fond vert avec comme ça, un peu comme honnêtement les 12 infos de Cyprien. Que j'aime beaucoup. J'aime énormément cette personne-là qui a fait cette série-là. Et je voulais continuer et faire un peu de ce style là tout en reprenant ma façon de faire les choses et tout. C'est pas du plagiat après, s'il y en a qui vont dire ça, bah ils ont qu'à dire ça. Voilà, c'est une passion, c'est une chose. Et sachant aussi, ah oui, j'ai un dernier truc à vous dire. C'est le fait que sur YouTube, il y a plein de potes à moi, YouTubeurs, qui ont arrêté YouTube. Et je me retrouve seul actuellement. Je suis pas un gars qui va se faire des potes et tout à droite et à gauche. C'est juste le fait que... j'ai au moins 5-6 potes sur YouTube, dont un là il y a quelques jours qui sa chaîne elle a fermé. Mais en fait c'est des gens voilà que j'aimais beaucoup et tout. Et les voir sur YouTube, en fait c'est comme si tu te sentais tout seul. Et c'est vrai que t'as un peu moins de motivation et t'as plus vraiment des piliers pour t'aider à monter. Donc voilà, donc c'est un petit truc en plus aussi. Voilà, bon c'est pas beaucoup de problèmes, enfin ça en fait quand même quelques-uns. Mais voilà, c'est assez difficile ces derniers temps. Voilà, merci pour tous les gens. Puis je vous dis à la prochaine. Bon réveillon. Peut-être je sortirai une petite vidéo ce soir informative. Je sais pas du tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.